téléspectateurs de Conakry Nouvelle, assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureuse de vous retrouver, d'être avec vous ce matin. Je suis du niveau de Sangoya. Nous avons une dame et ses collaborateurs en France, à Paris, qui offrent aujourd'hui 3 millions de francs guinéens au centre orphelinat des Albinos. Au centre orphelinat des Albinos, 3 millions de francs guinéens, 500 000 pour CN, merci beaucoup à eux, et 2 500 000 francs pour le centre d'orphelinat, 2 millions pour les denrées alimentaires, 500 000 pour le directeur, bien sûr. Alors, on remercie infiniment cette dame et ses collaborateurs depuis la France à Paris, on vous remercie. Suivez-moi pour l'achat des denrées alimentaires, on va aller aussi au centre d'orphelinat, voir ce que nous allons pouvoir leur donner comme sourire aujourd'hui. Très content. Par l'intermédiaire de l'Oprosem. Donc elle était dans la mendicité, dans la main d'une autre personne. Donc appréhendée par un de nos collaborateurs albinos également. Donc on a interpellé la police. La police les a interpellés. On a appelé le fondateur. Le fondateur s'est rendu là-bas. Pour parler, on a mis l'enfant à la disposition du centre, mais le débat s'est passé devant le fondateur. Il est mieux placé pour expliquer le compte. On remercie infiniment le projet qui nous avons confié l'enfant, mais réellement, l'enfant ne connaît pas ses parents biologiques. La vieille qui avait prise, selon son information, réellement, on n'a pas su jusqu'à présent une piste qui est normale. Voilà, parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas ses parents. La personne qu'on l'a pris, il a dit qu'on l'a confié. Des fois, il dit que les parents sont morts. On ne sait pas si c'est réel ou faux. Mais jusqu'à présent, ça fait un an comme ça, nous sommes à la dessus. On ne connaît pas les parents de ses enfants. Elle est au centre ici, juste pour... C'est normal, avant qu'ils grandissent, qu'il faut savoir réellement où sont ses parents biologiques. Elle ne voit pas du tout. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas du tout. Elle ne voit pas. Elle commence à parler. Elle ne parlait pas, mais maintenant elle commence à parler. Elle marche. Elle marche. Annie, papa. Bandé. Ami. Traoré. Café. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Content? Très content. Monsieur est là? Très content. Nourriture est là? Très content. Cahier est là? Très content. Bic est là? Très content. Nyam nyam est là? Très content. Content? Très content. On est content? Très content. Oh, merci beaucoup. Maman de ma camarade.
Fatoumata Souma. Aïssa Souma. Ibrahima Sourissila. Abdoukan Bangwa. Alassane Souma. Le secrétaire général de la Confédération nationale pour les albinos de Guinée, la CENAC, en même temps le porte-parole de la Confédération. Tout ce que nous allons demander, c'est de tendre la main avec les personnes volontaires, de venir au secours des enfants rejetés. Je prie Dieu et Allah subhanahu wa ta'ala, les personnes qui nous suivent, les personnes de bonne volonté, ce sont des orphelins, ce sont des enfants qui évoluent au sein de l'ONG CENAC, et aidons-les, rien n'est peu, aucune contribution n'est petite. Si vous avez quoi que ce soit, appelez-nous pour que nous puissions les aider, parce que vraiment c'est émouvant, c'est encourageant de les aider. Ils sont dans de bonnes mains. Nous apprécions les encadreurs, les fondateurs, les directeurs, tous ceux qui sont en charge de cet établissement. Nous sommes très contents et fiers de leur travail, et parce que vraiment prendre soin des enfants, c'est pas du tout facile. Alors nous appelons les personnes de bonne volonté, les téléspectateurs de Conakry Nouvelle, comme vous savez le faire à chaque fois, et cette fois nous vous demandons encore de l'aide pour ces enfants albinos. Nous demandons de l'aide une fois de plus. Aidons-les à les soutenir, à les scolariser, à les soutenir surtout dans leurs études et surtout au niveau des denrées alimentaires. Mashallah, on remercie infiniment. Alors aujourd'hui, ma présence ici, c'est grâce à une dame qui vit en France, du côté de Paris, qui a décidé de faire un don avec ses collaborateurs et de denrées alimentaires. Elles se sont réunies pour trouver 3 sacs de riz, mayonnaise, beurre, thé, de l'huile, de lait. C'est la première fois et peut-être il y aura d'autres, on le souhaite. Téléspectateurs, c'est la fin de votre émission aujourd'hui. Nous remercions la dame depuis la France à Paris avec ses collaborateurs pour ce don. Nous appelons les autres personnes de bonne volonté. Si vous avez quoi que ce soit à donner à cette école, nous serons là pour accueillir et les donner à bras ouverts. Merci beaucoup pour tout un chacun. Partagez la vidéo au maximum. On vous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine pour un autre numéro.